Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Air Battle Game avec le colonel Mort Trooper et Team Trooper. Et aujourd'hui on va vous présenter notre setup de notre installation pour recevoir les gens dans notre laser ball à Levallois. Donc on a une tente et dedans on a installé quelques trucs sympas pour recréer un peu une ambiance sympathique. Est-ce que t'es prêt, Tim? C'est parti. C'est parti tout de suite. Alors Tim, voilà, regardez, une tenue d'un trooper officiel, un gilet tactique avec petit blaster. Alors c'est du nerf modifié, vous pouvez voir nos vidéos sur là-dessus, le logo Air Battle Game. Là, c'est comme quoi il parle anglais. Voilà, moi j'ai un français parce que je parle français. Voici alors ici nos tarifs. Laser ball, station service, voilà. On a passé une station service pour tout ce qui est boisson et autres. Voilà, merci Tim. Ici nous avons un écran qui sert à rien mais c'est super joli. Voilà, pour faire genre, on est quand dans on dit les... à rien, mais vraiment. Ça sert à faire joli, voilà, à rentrer un petit peu dans le. Dans l'ambiance du Air Battle Game, voilà. Ici, nous avons l'écran de formation, donc on va vous montrer après la formation. Alors, on va revenir après dessus. La formation qu'on fait pour former les petits troopers. Aux règles de sécurité, aux règles de jeu, etc. Le troisième écran. Donc là, c'est un écran. Alors, c'est un peu plus sympa. Donc, déjà écrit en neptunien en dessous. Bah, écoutez, il y a plein de choses écrites. On vous dira pas quoi. Hein. C'est on sait plus. On sait plus. Et ici, on a une petite fenêtre. D'événements, voilà, sur cette fenêtre d'événements il se passe des trucs. Et qu'on va vous mettre. Pas forcément tout. La fin de la vidéo. Voilà, on vous mettra à la fin de la vidéo. Qu'est-ce qu'on met sur ce petit. Nous avons de la chance dans cette galaxie, nous avons capturé le carburant d'un. Ouais, le fameux Han Solo, il est chez nous, alors le cherchez pas. Si vous avez besoin, il est chez nous. Voilà, nous, quand on nous emmerde, on congèle direct. On va passer au troisième écran. Donc, mon père Mark Trooper. Voilà, donc là, c'est moi en uniforme. Et ici, le petit logo Air Battle Game. Et encore un écran qui sert totalement à rien, mais ça fait joli. Rien, mais c'est quand même stylé. Voilà, je vous montre une petite vue comme ça du setup vite fait. On a oublié de montrer R2D2. Oh bah R2D2 aussi. Regardez, ça c'est notre petit aspirateur. Je ne veux pas l'enlever, il est branché. Ah, il est branché, bah regardez. Voilà, regardez, petit R2D2. Donc c'est un aspirateur qu'on a repeint. Ça a été mis, il n'y a pas de normal, normalement il n'y a pas. On a créé ça pour faire un peu. Mais c'est pas terminé, on a d'autres choses à faire, mais on n'a pas eu le temps. On le fera peut-être pendant les vacances. Voilà, donc ici on a des caisses. Et là on a plusieurs caisses pour que les gens puissent ranger leurs vêtements. Donc on a mon Galaxy avec petit clin d'œil au gardien de la galaxie M Group. Donc comme ça les enfants. Avec écrit ne pas s'asseoir, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils posent leurs vêtements, leurs sacs, etc. dedans, leurs cadeaux. Le deuxième, California Utatem, donc je vous laisse deviner en commentaire qu'est-ce que ça signifie. Voilà, de quoi, de qui on parle. Tout le monde sait que c'est Batman. Voilà. 007, tout le monde sait c'est quoi, l'agent spécial qui tue et qui fait des bisous aux filles, beaucoup avec des bonnes voitures. C'est 007. Ça te plairait bien, ça. Non, quand même pas. Juste les pistolets et les belles filles. Alors, ici, on a encore un truc alors, qui ne sert pas à rien. Les écrans, ça sert à rien. On vous l'a présenté dans une vidéo. Voilà. Donc, allez la voir. Donc, ça, c'est le blaster de Han Solo qu'on a repeint, troué, refait. Et le blaster de Rey, peint, troué, etc. Donc, exactement. Ils sont faits comme si c'était des vrais. Donc, c'est des répliques. Ici, nous avons un blaster Calibre 50 qu'on n'a pas encore présenté. Qui est avant. Le Z18. Donc, ça, c'est un modèle qu'on vend ici. Et cette caisse qui. Cette manette spatiale pour commander. La formation. Allez, on va la faire. Formation. On va vous montrer un tout petit bout de la formation vidéo. Allez, c'est parti, t'appuies sur play. Bienvenue sur la base Air Battle Games, jeune recrue. Soyez attentif à cette formation. Votre mission, si vous l'acceptez, se déroulera dans un labyrinthe de plus de 20 pièces. Pour votre sécurité, lorsque vous pénétrez dans la base, vous devez être équipé de votre casque de protection. Tout bien continué, si vous voulez voir la suite, il faut venir Air Battle Games et vous verrez cette formation-là. Oui, des deux. On sait ta faim, on va te nourrir. On sait, on va te nourrir, tu vas passer aspirateur tout à l'heure. Alors. On continue, donc on revient ici sur ces petits écrans. Donc les écrans, eux, ils servent à rien, mis à part faire joli. Mais derrière, en fait, c'est une multiprise cachée. Voilà, comme ça, on peut brancher plein de choses dessus. C'est plus joli que de poser une prise sur la table.
Ici, on vous montre le système son. Voilà, donc on a un ampli, 4 canaux avec 4 enceintes dans l'arène. Et ici, nous avons notre le système pipo, comme le pipo. Voilà, le pipo. Donc, système ITLX. Donc, ça a été développé et créé par nous. D'accord. Donc, ça nous permet de lancer l'émission. Donc, on peut choisir la mission qu'on a envie. Par exemple, Ewok Andor. On fait et on lance la mission. Et à l'intérieur de l'arène là-bas, voilà, le son commence. Donc on peut choisir combien de personnes peuvent être dans l'arène, enlever les lumières. On peut choisir le nombre d'équipes, on peut voilà. Tout faire, donc deux équipes, trois équipes, quatre équipes. Augmenter la. Ce que disait Tim, voilà, on peut régler la puissance de la fumée, si on a plus ou moins de fumée, la luminosité à l'intérieur, plus ou moins de luminosité, le volume sonore, voilà, on a plein de donc réglages. On peut tout régler. Et on peut tout régler à l'intérieur de ça. C'est quand même vachement bien. Voilà. Alors. Maintenant, on continue. Alors, sur. Attends, ici, nous avons un mur. Voilà. Air Battle Game. Zone 51. Donc, pour ceux qui connaissent, hein, la zone 51. Mettez-nous dans les commentaires. Le beau trooper de l'espace. Mettez-nous dans les commentaires que signifie zone 51. Et oui. Ici, pareil, petit clin d'œil à une vieille série des années 80. Ça, faut connaître. Hein. Ces petits trucs-là. Mettez-nous dans les commentaires. Ouais, mais ça, ça, à mon avis, personne ne l'a trouvé. Voilà. Le deuxième mur. Air Battle Game en décoration. Ici, nous avons le porte-blaster du personnel. Donc, chacun a son blaster. Donc, le mien, c'est le gris. Et la Trooper, c'est une couleur or. Ça, c'est le mien. Ça, c'est le mien là-bas. Ça, c'est le team. Ça, c'est le DS Trooper. Chacun a son blaster. Ça, et les Troopers normales, ils ont le rouge. Ouais. Donc, les basiques, voilà. Si vous voulez l'essayer, bah, je vous invite à venir Air Battle Game. 77 Keshar Pasqua. Vous venez. Et vous amusez à la structure. Ou Air Battle Game ailleurs en France, parce que maintenant il y en a à Lyon, bientôt à Bordeaux. Donc on est en train d'en avoir plusieurs en France. Une autre caisse, donc Jurassic Park, donc le film avec plein de dinosaures, etc. Donc normalement c'est normal de connaître ça, je pense. Voilà. Ici on a les vestes pour transformer les équipes, hein, vert, bleu, rouge et jaune. Et ici nous avons les masques de protection qui sont obligatoires, donc pour les enfants jusqu'à 16 ans, et après, quand on est plus grand, on peut juste porter des lunettes. Bon, moi aussi, je porte des lunettes parce que je suis habitué. C'est un warrior. Et des caisses de munitions. Voilà. Et oui, avec. Vas-y, montre-nous les munitions, les calibres 50. Non, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Ah, c'est pour ce délire. Type, c'est un trooper de l'espace, mais bon. Ah. Allez, voilà, regardez, alors là, vous avez au moins 10 000 billes. Hein. Il y a quoi faire. 10 000, au moins 10 000. Donc là, on a plein de billes. Pour charger donc l'arène. Ce n'est pas des billes en peinture, c'est des billes en caoutchouc, donc ça fait voilà. Pas très mal. Après, je vais vous montrer un autre petit prop, ce qu'on a fabriqué pendant le confinement. Donc là, pareil, dans les commentaires, vous pouvez nous dire à quel film ça appartient. Voilà, Opening Iris. Voilà, pour ceux qui connaissent, ils vont reconnaître tout de suite. Voilà, ici on a un plan de l'intérieur de l'arène. Okay. À côté, les règles à respecter, les règles intérieures, règlement intérieur. Donc, toujours Team Trooper. Donc, ça, c'est l'intérieur de l'arène. Et ça, l'intérieur de l'arène, on le fera sur une autre vidéo, hein, pas aujourd'hui. Et ici, nous avons un autre propre qu'on s'amuse à fabriquer. Donc, là, c'est l'énergie bleue. Et ici, c'est l'énergie rouge qui se lie l'un à l'autre et qui rentre dans le sol et qui vont dans l'arène. Et aussi, notre petit. Ah, bah, c'est dommage, on arrive enfin. Et puis là-haut, notre hologramme. Voilà, donc on a créé un blaster en 3D. Nous avons un masque, nous avons un logo, enfin, on a plusieurs hologrammes. Assez sympathique. Alors, voilà, donc on a fait plein de petits props. Dites-nous ceux qui vous font kiffer. Voilà, il y a des petits clins d'œil à plein de films, plein de séries. Nous, on adore ça. On aime le cinéma, on aime les séries. Aussi bien des années 80 que des séries ou des films plus récents. Donc, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à nous faire des commentaires, à nous dire à quoi ça fait référence si vous n'avez pas reconnu. On vous répondra avec plaisir. Oui, oui des deux. On a bientôt terminé. Et il est impatient des deux, hein. Franchement. Voilà, donc on a d'autres idées, on en fera d'autres. Hein. Donc ici, c'est un uniforme de trooper, donc je vous montre vite fait ce que c'est. Donc dedans, on a tout un tas de choses. Il ne faut pas croire que ça sert à rien. Ici, nous avons des piles pour... Au cas où si blaster n'a plus d'énergie. Pour le blaster, s'il n'a plus d'énergie. Ici, nous avons une lampe, si jamais une coupure électrique, avec un petit tournevis pour pouvoir régler les blasters. Ici on a un petit couteau pour bricoler. Ici un petit blaster ici qui est là. En fait, il est un petit peu dur à prendre, mais il nous sert à, voilà,
Voilà, on a un petit laser. Ah bah, le laser, il est mort. En fait, voilà, en général, je m'en sers pour pointer. Il faut que je change. Je pointe là-bas pour expliquer aux gens les entrées, les sorties, où est-ce que c'est. Voilà. Après, j'ai une poche à billes ici. Comme ça, moi, ça m'évite de me baisser quand je suis dedans. Quand il y a trop de billes par terre, je les mets là. Ici, c'est une poche où je mets mes clés, je mets mon portable, etc. Ici, j'ai une poche avec le terminal de paiement et mes lunettes parce que j'ai 45 ans et des fois, je ne vois plus rien. Et il y a aussi des petits tickets pour offrir des tickets gratuits, des tours gratuits à des youtubeurs. Donc, si vous êtes youtubeur et que vous venez et que vous êtes inscrit sur notre site, vous venez nous voir, si vous êtes abonné, etc. Et on vous offrira un ticket pour une partie gratuite. Avec grand plaisir. Vas-y mon grand, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, j'ai mal au bras à tenir la caméra. C'est vrai que c'est très très loin une caméra. Donc c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et ça nous fera un éclairement plaisir. Cliquez sur la petite cloche de notification. Allez sur nos réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, etc. Abonnez-vous, mettez un petit like et commentez, ça nous fera super plaisir. Sur ce, salut tout le monde et on a impatience à vous voir. Ciao. Okay.